Bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Offert. J'espère que vous allez bien les amis. Nous continuons Solium Infernum sur notre première partie officielle. Du coup on avait fait une double exigence sur Andromalius et Belzébuth. C'est ça, Belzébuth. C'est les deux qui étaient proches de nous. Alors, petit problème, Belzébuth a recruté une nouvelle Légion, littéralement la Légion perdue, qui a 8-7 de base. C'est pas... Aïe aïe aïe. Ah, les ingénieurs infernaux, j'ai rien de habilité, mais les... Oh. Falloir qu'on... Putain, il a 3 Légions du coup, Belzébuth. Ah, mais j'aimerais bien passer... j'aimerais bien obtenir mon 4ème niveau de colère. Maître de la guerre. Alors, la cible devient téméraire ignorant les restrictions de déplacement imposées par la diplomatie et les types de terrains comme la lave, ravin, marécage. Cela n'affecte pas sa capacité à capturer des cantons ou engager le combat. Comment ça ignorant les restrictions de déplacement par la diplomatie? Genre, je pourrais me déplacer sur tous les terrains adverses? Stratagème de protection. Ajoute des points de vie temporaires à la légion au lieu de pouvoir affecter pour la durée de la bataille. Oh! Conspiration. Accès aux conspirations de grande colère lors de la demande de nouvelles conspirations, emplacement d'ordre plus 1, score. C'est quoi le score de commandement du coup? Plus de légions peuvent être contrôlées. Ah putain, il y a une valeur maximale sur le nombre de légions qu'on peut contrôler. Oh putain, ça je savais pas, c'est à ça que ça sert le fameux score de commandement. Très bien. Alors moi j'aimerais bien prendre la fontaine impie Andromalius. Belzébuth, je crois que ça va se régler sur des destructions de légions par contre. Il va enfin prendre l'hôtel. 087. Ah ouais, avec le soutien ça passe super. Il prend 2 dégâts. Ah, il l'a pas pris? Ah, il a pas fait un double mouvement. Grande croisade impie, le conclave infernal annonce la décision d'appeler une grande croisade impie contre notre ennemi implacable. Un appel aux légions a été envoyé à chaque grande maison, chaque archidémon doit choisir une légion qui participera à l'expédition contre les remparts du paradis. Ceux qui ne proposeront pas de légion seront jugés en conséquence. Ah putain! Ah non, mais moi je suis sur le point de me battre, vous déconnez! Bon bah je vais envoyer la garde stygienne. Hein. Colère pitiant. Un frisson parcourt les grandes maisons de l'enfer. Tous les archidémons ont subi une perte de 1 point de pouvoir aléatoire. Nouvelle preuve ainsi que d'après innombrables. Et on, le tyran est toujours aussi amer. La colère d'Astaroth a été diminuée de 1. La tromperie de murmure a été diminuée à 0. Cela ne peut pas diminuer par cet effet. La colère d'Andromalius diminue de... Ah putain! Ah mais non, j'étais sur le point de la passer au niveau 4. Sérieux, moi ça tombe sur mon plus cher, évidemment, quoi. Ah, c'est de la bite, oh là là. Ah. Belzébuth a rejeté. Très bien. Andromalius a accepté. Merde. Attendez, à l'inverse, tu vois. Bah, je vais lui buter sa progéniture.
Je vais faire une toute petite vendetta. Je vais faire une destruction de légion de 1. Je vais lui péter celui-là. Pas de choix. De toute façon, lui, il va partir en... partir dans la croisade impie. Putain, fait chier quoi. Je vais reprendre mon niveau 3 de colère. Oh, 7 décors, sérieux. Oh, ça m'est pris un temps pas possible d'économiser ça en plus. Ah, oh, je suis deg. Ils sont passés où ces guerriers? Il a envoyé ses plus faibles. Oh le bâtard! Il a envoyé ses plus faibles à la croisade impie. Oh, ça va mal se goupiller cette histoire, moi je te le dis. Récit du rituel gueule de l'enfer. Pas du tout vu ce que ça faisait. Putain, mais il se passe quoi avec Streamlabs là sur ce jeu? C'est un truc de fou quoi, il le supporte trop mal. Oh! Décor, je suis obligé de le prendre. Allez. Bon, alors les amis, laissez-moi vous dire que ça vient de planter une nouvelle fois, donc je ne vais plus toucher à Streamlabs pour lire le chat, tant pis, désolé. Parce que là, il supporte très mal Solium Infernum, je sais pas pourquoi. Alors... les flammes, c'est pas très intéressant. Donc pour tous ceux de la VOD, il va falloir que je me débrouille encore pour récupérer, donc il va falloir que je le note. Je sais pas comment je vais faire pour... Putain, ça fait chier. Et en plus, ça, chaque fois que ça m'arrive, c'est vraiment genre... c'est à la gueule du jeu, quoi. Vraiment, il y en a, j'ai jamais eu ce souci. Par contre, quand ça arrive, pour ceux que ça le fait, mais genre tout le temps. Faut plus que je touche à... mais du tout. Ça, je vais le noter. Ah, refaire la VOD. Désolé pour tous ceux qui sont en stream, ça doit être infernal. Solium, épisode 2. Alors bon. Désolé. Dans les âmes, c'est pas... vraiment Icor. Hein. On va recevoir le soutien de la Légion perdue. Se soumettre et devenir vassal. Je vous demande de vous soumettre à moi en tant que seigneur de sang. Non mais il va mourir. T'es tout pourri, je te pisse dessus. Texte infernal, c'est drôle ça. Oh non ! Résistance surmontée, mais non.
Alors, je vais faire un rituel pour soigner mes sangs d'Astaroth. Oh, putain, ça coûte de licor, mais j'ai pas le choix, sinon je vais le perdre. Comme ça, je vais le soigner, c'est cool. Parce que le soutien, c'est... C'est la moitié, hein. La moitié des valeurs distance. Donc il va gagner 4 et 3. Arrondi à l'unité inférieure. Et donc 4 et 3. Donc il sera 11, 11, 4. 11, 4. Oh mon dieu, il va me déchirer. On va fuir! Je vais d'abord fuir et ensuite mûrir. Putain, mais la croisade vraiment, mais elle est trop mal tombée. Je l'aurais déchirée en temps normal. Putain, du coup, ça va me faire foirer ma vendetta, quoi. Cette histoire. Revanchisme sanctionné. Candidat retenu verra jusqu'à 6 cantons frontaliers réattribués à ses voisins. Qui sait qui a le plus de puissance? Andromalius. J'ai 3 de pouvoir de vote. Il vous reste un tour pour détruire une légion. Ouais, bah en gros c'est foutu quoi, super. Putain, tout ça à cause de l'event là. Ah, ça me nique la gueule quand ça arrive, ça. Attends que je lui pique un canton. Oh non, on m'a voté à 5. 5 Andromalus, 6 pour moi. Oh, pas d'icor, nom de Dieu. Échec de la vendetta, vous avez perdu 12 de prestige. Super! Trop bien. Charisme de Astaroth a été diminué à 0. Peut pas être très diminué. Non mais j'étais à 1. Non mais on m'a fait perdre du pouvoir, sérieusement. C'est pas juste. Oh là là. Quel cauchemar. Putain, mais moi je perds du pouvoir, tu sais, alors je dépense des ressources pour... Sinon, je revois un jour mes troupes ou c'est perdu à jamais. Je pense que c'est perdu à jamais, en vrai. Je sais pas, ils disaient que... Pff, c'est pas clair, leur histoire. Assaut désespéré, plus 4 en mêlée lors de l'attaque. Ah, oh, elles sont toutes pourries les légions là.
force de pousser 6 plus 2. Écoute tous de licor, sérieux. Je vais jamais atteindre mon niveau 4, c'est impossible. Il ne reste que 17 tours. Ah, c'est re... Elle est revenue, ma carte, c'est chiant. Belzébuth a rejeté. Ah, Murmure a payé par contre. C'est distingué sur le champ de bataille. 8 PV maximum. Ah, 3000. Ah, 600. Oh mon dieu, elle a pris 2 rangs. Bien notre légion. Un prêteur brune mêlée plus 3, infernal mêlée plus 2. Je vais encore payer de licor. Mais j'ai pas le choix, il faut un prêteur. Ah bah j'ai le but. C'est quand même une petite vendetta. Allez, péter 2 légions en 5 tours. Ça devrait être faisable. Soumettre un champion. Ah mais merde! Attends, c'est crâne. Crâne serpent. Je fais pas d'orbe. Enfin, j'ai pas d'orbe. Oui bah du coup je ferai mon... Je ferai ma voile de fumée. Je suis sûr de l'emporter. La croisade revient. J'ai tellement de trucs à faire. Ah putain, j'avais licor pour... De prêteur commence. On fait le voile de fumée, hein. Comme c'était prévu. Soutien. Piller les chambres fortes. Non ! Ah mais putain !
Je vais jamais passer le niveau 4. Je vais jamais passer le niveau 4 de colère, c'est impossible. Tout en train de me foutre des bâtons dans les roues. C'est un truc de malade. Et on m'a tenté... Mais ça fait deux rituels qu'on me vise. Les IA sont anti-joueurs. Alors je les tue grâce au mêlée. Pourquoi j'ai pris qu'un de dégâts? 11-8, ça fait 3. Pourtant, autant la vulnérabilité de mêlée, je comprends pourquoi. Ils prennent 3. Attends, je vais gagner la moitié, donc 3 et 5. Donc 3. 8 et 15. Ouais, donc j'ai défense. Ok. J'ai défense, il bouge pas. Champion maintenant 3 victoires en arène. Xul manquant. Ah mais oui, mais en fait il devait rentrer dans 2 duels ce héros. Enfin ce prêteur. Il est mort dans mon duel. Ils ont pris 6. Décal équivalent. Oh putain, je gagne la phase de milieu. Ah mais ils ont 0 en infernal. Oh, je leur pisse dessus. Ils ont une capacité, c'est que pour ça, d'accord. Ah, nouvelle légion. Vendetta réussi. 25 de prestige. On est de nouveau les favoris. Ah, ça fait plaisir à lire ça. Sur 36.
Donnez pas de licor, s'il vous plaît. Non, pas un autre event. Et pénurie de tribus. Une épidémie de vertu parmi les mortels a apporté une récolte misérable, réduisant la, de 3 la qualité des tribus de tous les archidémons pendant 4 tours. Ben voyons. Licor. Putain, il va me réattaquer direct, toi. Clôture éthérique. Tous les rituels en corps sont figés dans les récits annulés. Les archimons ne peuvent pas en effectuer de nouveau pendant 3-6 tours. J'ai même pas assez de ressources pour prendre mon... Putain, je veux de licor, bordel de merde. J'ai tout coûte de licor, même dans les prêteurs. Fois 2 dégâts à distance infligés. Oh! C'est des ressources que j'ai en pagaille en plus. Bon, de toute façon, il va m'attaquer prochain tour. Autant que j'ai le soutien. Prince sexe de l'enfer. Super. Ça fait très sexuel avec un nom comme ça, prince sexe. Arc du diable. J'y vais à la gueule, hein, le... Soyons honnêtes. Tranquillité et silence pendant 4 tours au lieu de pouvoir ne générer aucun... Putain, mais merde! Deux fois qu'on se le tape celui-là. Je me démarque grâce au lieu de pouvoir. On est à déclarer. Attends, 6, 10, donc 1, 8. Ok, donc je pisse dessus.
2, 3, 4. Ah, je... ah mais c'est niveau 1, je lui pisse dessus. Je vais me défendre. Hein, Il m'aurait pas attaqué, je serais parti sur les autres pour compléter ma mission, mais... Ah, le bâtard, il est bouge. Pour avoir le soutien. Ah bah du coup, ils vont pas mourir ? Mais il y a 6. Voilà, ils vont faire 7. Ah bah si, la phase infernale, je l'ai détruit. Ok, bon, tout va bien. Donc la garde stygienne est broken. Ils ont 8000 légions quand même, je galère toujours avec mes deux là. Je suis toujours favori et de très loin en plus. Les jetons sont redistribués équitablement. Oh putain. Par tranche de 15 prestiges. Mais c'est une blague ? Les deux, je me fais avoir. Bon, j'ai compris, faut que je dépense mes sous. C'est pas comme si j'étais en guerre. Hein. Putain, ça saoule! De toute façon, vu que tout va être réparti. Ah, j'ai perdu tellement de... Ah, le violet a voté pour me faire perdre. Ah, ça pénalisait celui qui en avait. Oui, si t'en as beaucoup et que t'es bas en précis, je voulais mieux faire ça, ouais. Si je tombe. Oh là là. Putain, mais c'est quoi ces événements tout pourris? J'ai fait que le premier sur l'aubaine de la HS, tout le reste j'ai dit non quoi. Allez, détruisez-moi ça.
Yeah. Oh, je vais lui piquer un vieux pouvoir, en plus c'est génial. Peut-être réussir ma conspiration des 10 premiers tours. Andromalus va m'attaquer du coup. Pouvoir du mal. Comme les enfants, le conclave est très impressionné par les tours, la pyrotechnie et la cruauté occasionnelle, et accordera donc un triple prestige à tous les rituels de destruction réussis en 5 tours. Oh bah, de distance de mêlée, hein, c'est pas dégueu. Je peux pas lui prendre sa forteresse, c'est bien dommage. Je vais prendre la bouche d'Abaddon. La vendetta continue. Je pense qu'on est sur la dernière lancée. Oh, Belzébuth, il a voulu faire le tchad avec moi et... il l'a payé très cher. Ah, pas de... oh, c'est une rang 4. Eh bien, il me faudrait un crâne. Technique de l'adversaire est annulée, il n'a aucun effet. Il faudra que je relise... je vais relire avant de faire une énorme boulette. Les crânes, les orbes, les orbes. Oh, bah j'ai bien fait de lire. Bah, je crois que je vais déclarer forfait. Parce que ça n'a aucun intérêt pour moi d'accepter, je peux juste perdre un prêteur. Carrément lui extorquer un prêteur. Ça c'est fou. Hein. Oh, il a fait un rituel pour augmenter les dégâts en duel de son prêteur. J'ai trop bien fait de déclarer forfait. Ok, c'est un one shot rien qu'en phase de distance. Nice. Toujours en train de prendre des cantons lui. Allez, piller les chambres fortes sur Fire pour changer. Là il y avait écrit mêlée en dernier. Comment ça se fait qu'il soit... est-ce quand il y en a un qui fait mêlée d'abord et l'autre mêlée en dernier, il se passe quoi? C'est le défenseur parce qu'ils sont partis direct au charbon. Infernal 0-0. Mais du coup, il n'y a pas de distance.
S'il y a mêlée d'abord, c'est pas l'ordre il est décalé, c'est juste l'ordre il est sauté carrément. Ça explique pourquoi il l'avait pas tué tout à l'heure. Oui. Je vois. Toujours pas fini, regarde comme Belzébuth. Le pouvoir 1 sur 2. C'est le murmure qui est juste là. Mais il n'y a pas le lieu de pouvoir murmure. C'est Andromalius que je dois sécher. Hein. J'aurais pas le temps de faire une mission. Vendiquer la moitié de son prestige, hein, à la fin. Je comprends pas l'intérêt de la radio draconique. On va y arriver, on va y arriver. Ça manque de neutre quand même. La vendetta continue. Sérieux, il a mis combien de tours quoi dans sa vendetta? Pourquoi mes mecs ils ont pas avancé jusque là? Murmure à rejeter. Attends, un 3 lieux de pouvoir. Mais il a des lieux de pouvoir, sinon je pourrais pas le faire une proposition. Cette déclaration ne me permet pas d'attaquer la forteresse adverse. Je vais lui péter 2 légions sur 5 tours. Putain, j'aurais jamais eu mon niveau 4, je suis trop deg quoi. Échec des ordres. Pas pu entrer dans le canton qui était occupé par 100 astéroïdes. Tu peux pas passer par-dessus une autre unité? Oh, c'est de la merde. Je trouve ça un peu débile. Après, il y a un intérêt stratégique. Tu peux bloquer le tour de quelqu'un, mais ça nique ses deux mouvements. C'est pas très fun dans un sens. Mais ils ont chacun leur petit truc. Hein. Tour de l'orgueil, elle a rien du tout. Après, c'était la plus simple à capturer au début. Hein.
Mêlée d'abord. Maréchasson, ajoute un jeton de 3 âmes aux offrandes si elles sont attachées à un lieu de pouvoir. Même si ça tombe pas sur sa caractère principale, je trouve ça dégueulasse. Peut-être qu'il devait me prendre des cantons. Porte de l'enfer s'est scellée alors qu'elle reste fermée pendant 3 tours. Les archidémons ne reçoivent pas d'offrandes, peuvent pas rechercher de tribune nos manuscrits, et même les âmes les plus damnées marchent sur terre en toute impunité. Le prestige de tous les archidémons sera caché pendant 3 tours. Génial. Ah, c'est quoi tous ces événements? Pourrissement des chambres fortes. Ah, ça c'est moi qui l'ai fait par contre. On m'a lu ça rejeté. Alors attends, parce que chacun son petit tour là. Parce que moi j'ai une vendetta contre détruire 2 légions. Porteur de peste. Mêlée en dernier. Mais à distance, je le fume en fait. Ça me dit assaut désespéré. Plus 4 millions en attaque. Excusez-moi. Non. La vendetta contre Belzébuth continue. Mais c'est une blague? C'est toujours pas fini? Oh, j'ai plus aucune ressource. Ça. Hop. Décédé. La mort prend des vacances. Du mal, je fais pas de rituel, moi ça coûte des ressources, j'ai déjà pas de ressources de base. Vendetta terminée, vaincu par Belzébuth. Vous n'avez pas réussi à empêcher Belzébuth de remplir les succès de condition de victoire. Quoi? Il devait prendre des cantons. De toute façon, je vais faire les deux. Je vais faire les deux légions tuées. Malheureusement, à ce stade... Défendez-vous contre Belzébuth. Oh, mais il ne donne pas ça, en fait. Putain, c'était le dernier tour, en plus. 8 sur 8. Oh, c'est une blague. J'ai pas... En fait, le problème, c'est que Belzébuth, il m'a fait une vendetta au moment où je comptais partir sur Andromalus. Et du coup, ça m'a fait perdre plus de 8 tours de baston.
putain. Je suis deg. Promet aléatoirement au niveau 3. Vous ne contrôlez pas ses déplacements. Choisir un contre. Putain, on peut invoquer des neutres. Ah bah oui, j'ai pas les tribus. Hein. Il y a des rituels qui sont trop cool, mais j'ai l'impression qu'Astaroth, il est vraiment pas fait pour ça. Bon, bah écoute, je peux pas faire de recherche. Allez, au moins je termine ma vendetta avant la fin de partie. Continue de me pourrir des ressources. Non mais encore ! Mais lâchez-moi la grappe ! Dans ce macabre. Les autres perdent des points de vie à chier. Ok, ils peuvent invoquer des trucs comme ça. Ils doivent pas être génial en termes de dégâts vu... comment... C'est facile hein. À faire. Bon. J'ai pas vu. Mais non, en fait. Détail réussi. Récompense de 25 prestige, parfait. Choc des légions. Ah, mon sang d'Astaroth est passé de l'autre côté, d'accord, carrément. Un crâne. Parce que si je fais une orbe, il va annuler la. Ça. Ouais, sauf que j'ai pas de crâne. Ah! Si je fais serpent, ça annule son crâne. Et si je fais l'orbe. Oh, c'est de la merde ce que j'ai fait. Je vais prendre le saut, hein. Oui, de toute façon, c'est les derniers. C'est les deux derniers tours. Putain, c'est con, à une vendetta près sur Andromalus. Hein. Le pire, c'est que l'autre gros cul, là, il va encore venir me faire chier avec, avec une vendetta. Je
peux rien faire, j'ai pas de sous, c'est la fin. Bouger mes troupes, ce serait... Sinon, je peux faire que ça. Ah, c'est la fin, là, c'est la dernière ligne droite. J'ai perdu. Et comme par hasard, il a fait la fin de sauvage. Comme par hasard. J'aurais fait l'autre, de toute façon, il y aurait fait l'opposé. On ne rejetait donc là. Enfin reprendre des ressources, c'est l'avant-dernier tour. Aucun intérêt. Je pense que le mieux c'est juste de passer en vrai. Juste putain, j'aurais fait une partie entière sans atteindre le niveau 4 quoi, sérieux. Impressionnant. Allez-y. Défendez-vous contre Belzébuth. Oh là là! Il lâche-moi la grappe! Et lui, il a tout intérêt à venir me faire chier, en fait. Il peut rien perdre. Et c'est le dernier tour. Pour gagner un peu de prestige. Assemblée du conclave. Le conclave se réunit dans les grandes salles de Pandémonium pour conclure l'épreuve du trône et désigner la nouvelle majesté des ténèbres. Toutes les conspirations privées sont révélées et leurs valeurs de prestige ont été ajustées en conséquence. C'est pas la fin? Il y a quand même un 51e tour? Ah bon? Ah ouais, mais il semblait que c'est terminé au tour... Conclave se réunira au tour 50 pour choisir le vainqueur. À moins que le Pandémonium n'ait été usurpé. Mais attends, mais le Pandémonium, c'est un titan le truc quoi. Il a 23 de vie, 11, 13, 17. En vrai, si t'as du soutien, 11, 13, 17, ça se bat. Hein. Tu perds des gens, mais. C'est pas le cas. Si on l'a bu. Bon, écoute. Il me semblait que ça s'arrêtait à 50. Oh. Assemblée du conclave. Assemblée continue. Phase d'assemblage 1 sur 5. Ah ouais? Attention est palpable. Ah oui, donc on a plus que 5 tours en fait. Plus que 50 tours, on en a 55.
fait des exigences si j'avais su. Putain, j'aurais pu marquer contre Andromalus alors. Ah là 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 là. J'aurais gardé mon prêteur surtout. Quand même, enfin chopé là. Allez, zoomer. Pas que ça à foutre, y'a école demain. Non mais je te jure quoi. Putain, il est déjà 18h. Oh mon dieu quoi, comment ça passe trop vite quand je m'amuse. Ah, j'ai repris un niveau avec Sandastante. C'est trop bien. Distance 3, mais je suis obligé de prendre ça en. Un truc qui fait dégâts x2 sur les distances, je suis un petit peu obligé. Défendez-vous contre Andromalus. Donc ça y est, là, ils sont tous sur moi. Rassemblement et débat. Des cantons. Ah, je peux peut-être faire mes missions. Vu qu'il m'a déclaré une vendetta, je peux lui piquer la fontaine impie pour remarquer un peu de. Oh, c'est bon ça, je peux peut-être le tourner à mon avantage. Excellent argument. Décision finale du conclave se fait attendre, n'a pas cette évidente qu'elle a moins de détails sur les événements. Sectaires sont invités à accélérer la réflexion. 4, 8, 6. Distance en dernier. 8, donc je lui ferai 7. Ouais, je le bouffe en gros. C'est bien remporter les batailles, ça va me faire des points supplémentaires. Ah merde, il va avoir un soutien. Ah, oh, j'ai 21. Soutien plus 6. Ok. Génial. Allez, vas-y, continue à me payer des tribus. Lui recule, c'est bien, ça me fait attaquer la fontaine impie gratos. Mais du coup c'est bien, ça me fait valider ma mission. Détruit, destroy dès la phase distance, comme un tribut. Eh ben, donc, qu'est-ce qu'on est aimé. J'ai réussi. Ah, j'ai 329 de prestige. Remporter une vendetta contre un normalisme. Ça, c'est pas pour tout de suite. Vulnérabilité à distance, téléportation. Eh, je vais tout lui piquer, hein.
Mais l'orgue du diable est juste excellent. Oh, double combat. C'est n'importe quoi. L'orgue du diable est vraiment démentiel. Je lui ai pété deux légions et je vais lui prendre le visage dans le sable par-dessus le marché. Et encore, j'ai foiré, j'ai pas réussi à gagner une vendetta contre Andromalius. Ah, je vais ignorer la demande, je m'en fous. Je m'en contrefous, mais fois 1000. L'annonce finale, se prépare à annoncer le nom du vainqueur. Couronner la nouvelle majesté. On est au tour 56 ? T'es censé s'arrêter à 50 ? Là, c'est finito, hein. Continue le pouvoir des tribus. Oh yes. Conclave a enfin révélé l'identité de la nouvelle majesté des ténèbres de l'enfer. Vraiment, l'artwork est magnifique. Ah oui, c'est nous. C'est moi, Astaroth. Victoire électorale, hein, tour 56. Majesté des ténèbres, premier parmi les gloutons, racketteur, grand conspirateur. Gagné grâce à une victoire de prestige. Détenez le palais de la gourmandise à la fin de la partie. A effectué le plus de revendications, racketteur. Terminé le plus grand... Attends, elle a terminé le plus de grandes conspirations. Pourtant j'en ai fait genre deux. Ah mais c'est des grandes, c'est pas la même catégorie. Ah, hypocrite et maître du destin. Proférer le plus d'insultes. À jouer au plus d'événements. Énorme. Démon mineur, grand imposteur. Réussi le plus de rituels de tromperie. Terminer avec succès le plus de vendettas possible en capture de canton. A réussi le plus grand rituel de colère. Enchère à l'aveugle les plus réussis du bazar. Il a acheté un paquet de choses. Putain. Eh bien, GG à nous. GG à nous. C'est dommage pour la grande conspiration sur la triple vendetta. J'avoue que j'ai cru qu'on allait pouvoir absolument la faire. J'y ai cru. Presque, hein. Bien écoutez les amis, malheureusement c'est la fin de cette VOD également, de ces petites sessions de stream hein, qui fut très courte malheureusement. J'espère que cette petite session sur Solium et Firmium vous aura plu. Je pense qu'on y reviendra, je referai une petite partie parce qu'en fait c'est assez vite fait. C'est quoi 50 tours, c'est 2h30, 3h à peu près. Que là je me rappelais plus qu'il y avait autant de débats à la fin. Il semblait que ça allait assez vite. J'avais dû passer vraiment comme un sourd quand j'étais en solo. Allez, c'était la chaîne de Fire. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très très fort. Et je vous dis naturellement, ciao à la prochaine!